Donc, je suis Dalila Dendouga, je suis adjointe de Martine Aubry en charge des droits de l'homme et de la lutte contre les discriminations. L'objectif de notre ville, au travers de cette grande exposition culturelle que constitue Fantastique, c'est véritablement d'entraîner un focus spécial sur la ville de Lille et de montrer à quel point cette ville est une ville qui est dynamique, une ville qui bouge énormément. Et donc, en conséquence de quoi, on a lancé le 6 octobre dernier cette formidable série d'expositions sous le nom Fantastique, destinée vraiment à mettre un focus et montrer à quel point notre ville est une ville extraordinaire, avec la participation certes de l'association de Lille 3000, de nombreuses associations, mais également des habitants qui ont souhaité s'intégrer dans ce dispositif d'accès de la culture. Suite à cette exposition fantastique, moi j'ai souhaité que vraiment on soit dans le cœur d'action de la ville de Lille, à savoir que l'ensemble des quartiers, l'ensemble des publics puissent bénéficier également de cet accès de la culture. Et c'est dans ces conditions que moi qui mène un gros travail au travers du volet que j'appelle le volet égalité d'échange, j'ai souhaité associer un certain nombre de jeunes pour les intégrer dans ce milieu qui est le milieu du tripostal, qui est un monde fantastique, parce que je considère vraiment que l'accès de tous à la culture aujourd'hui est fondamental, notamment pour des jeunes qui, a priori, par leur vie dans un quartier, par la catégorie socio-professionnelle de leurs parents, eh bien, conditionnent le fait qu'ils n'aient pas forcément accès à la culture. Oui, parce qu'on sait que ça conditionne aussi la réussite professionnelle future. Un jeune qui a l'habitude, dès sa toute jeune enfance, d'être associé à la visite dans des musées, à l'ouverture sur le monde, sur la culture, a plus de chances pour réussir. Et donc, il s'agit aussi de rattraper ce retard qui est un retard, j'allais dire, inhérent, auquel le jeune ne peut rien. Très jeune, eh bien, on a souhaité pouvoir l'associer à tous ces événements culturels qui, encore une fois, ne manquent pas dans notre ville. Donc, c'est une véritable chance pour notre ville. Et il était hors de question que tout le monde ne puisse pas bénéficier de cet accès à la culture, puisqu'il y a de la culture, mais de la culture pour tous. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Voilà dans quelles conditions j'ai l'honneur de vous accueillir et c'est vraiment un immense plaisir. Merci Dalila. Je vous en prie. Merci. Au revoir. That's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness. 'Cause right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man. That's how long I've been on ya.